Oui, donc attendez, excusez-moi. Les suivants sont disponibles via... En ayant le partage des données... Ces des données sont envoyées à... Ok. Ok. Eh ben, salut tout le monde et bienvenue sur ce stream et épisode, premier épisode sur Resident Evil 5. 1, 2, 3, 4. Non, c'est faux! Putain, j'arrive jamais à m'en souvenir. C'est 4, c'est 4, pas 5. 5, c'est 5. Ah, j'y arriverai jamais. Resident Evil 4 Remake, donc. Pas pourquoi ils ont pas mis Remake alors que c'est un remake. Enfin bref, on commence enfin. The Mercenary, donc oui, je l'ai téléchargé, mais bon, un mode additionnel a été ajouté, voilà, c'est tout. Mercenaire. Bonus! Alors, mode spécial. J'ai rien, hein, de son.
Et là, c'est avec les points, donc quand on a fini le jeu, en fait. Déblocage en finissant l'histoire principale en mode hardcore ou supérieur. Oui, bah ils vont se faire un peu le mettre, hein. Hein? Ils vont se faire mettre, très clairement. J'ai pas de points. Arme bonus, APC actuel 0, donc non. Je dis au cas où, on sait jamais. Concept art, rien, hein, on vient à peine de le commencer. Modèle, on voit toutes les figurines, je pense qu'on peut avoir. Défi, crédit, incredible. PlayStation Store, donc oui, on a des trucs, on peut avoir les costumes des personnages. Mais très clairement, ça m'intéresse pas des masses. Donc voilà. Bah c'est tout, je regarde dans les options. Tirer coup de couteau, viser. Tirer. On va rien changer. Attends. Caméra. Inverser ou non le contrôle de la caméra sur les axes X, Y, X et Y en vue normale à la manette. Comment ça? Ah non, d'accord, non, non. Vue normale en visant. Non plus. Vue détaillée. Non plus. Vitesse maximum de la caméra. Tu devrais faire ça hors, comme ça, hors caméra. Enfin, hors stream. Parce que comme ça, au moins, ça le fait. Ça fait moins de temps. Salut Noël! Toujours là pour l'horreur, hein? Comment ça va? Vue normale. Régler la vitesse de. On va faire comme ça. Je crois que j'avais augmenté quand même parce que dans la démo c'était pas ça. Pas grave, ouais. Mais bon. Les options, on s'en fout un peu, quoi. Ah, mais il n'y a pas de souci, hein. En fait, d'ailleurs, en fait, je me suis dit que si t'allais venir, c'est de pas m'aider, hein. Si tu savais, ça veut rien dire. Si tu savais que t'avais déjà vu le jeu, tout ça. Donc voilà, je t'aurais dit de me rien dire, même si ça avait été exactement comme par exemple Nemesis dans le 3, quoi. J'aurais rien voulu savoir, là, le quatrième, j'aurais voulu le faire à 100% moi. Même si tu savais des choses. Donc voilà. Et c'est quoi la tête que t'as choisie là comme emote? Je vois pas là. Champ de vision, c'est quoi ça? Régler cette option pour aider à réduire les effets de cinétose. Cinétose, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est un petit streamer. Ah, c'est un petit streamer, mais c'est qui comme streamer? C'est quoi son nom? Elle, Gréco. Ouais, je sais pas. Je connais pas. J'irai voir ça. Et tu sais ce que ça veut dire, toi, cinétose? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Contrôler la caméra avec la fonction de. Yes! Bah oui, tiens, ça c'est cool, ça, on verra. Des caméras en courant. Aide, caméra en courant. Utilise la fonction qui replace la caméra lorsque vous courez. Bah oui, ça c'est. Eh? Horizontal et vertical, horizontal. J'ai rien compris. On va mettre non. Secousse de caméra, yes. Flou cinétique. Ah, pas sur le perso, non. Non, non, non. Attends. Tac, ça sauvegarde en même temps. Point de vue. La cinétose, c'est ça?
Afficher mode HDR. Message du tutoriel. Cinétose, ouais, je sais pas ce que c'est la cinétose. Alors, les deux. Bah non, pas comme ça. J'ai pas compris ça. Bon, maintenant on verra bien. La cinétose est un trouble qui se manifeste dans une situation de discordance entre la perception visuelle et le système vestibulaire, souvent assimilable au mal des transports ou nopathie. Il est alors décliné en mal de voiture, mal de l'air ou mal de mer. En mal de l'air ou mal de mer selon la cause. De plus, la cinétose englobe aussi la cybercinétose, c'est-à-dire le mal du virtuel. L'étourdissement, la fatigue et les nausées sont les symptômes les plus fréquents de la cinétose. Enfin, c'est pas si c'est ça que j'ai eu moi une fois dans un jeu. Ou tu sais, quand des fois t'as ton personnage, tu peux rendre ton personnage bourré, tu vois. Et ben, des fois quand t'as l'écran qui ondule, tout ça, ou qui bouge comme ça, du moins juste un petit peu comme ça, ah, j'aime pas trop. C'est très rare que ça me le fasse. Enfin, c'est rare que ça me le fasse plutôt. Mais c'est chiant. Et par moments, en fait, ça me fait tourner la tête et je préfère en fait attendre que le truc passe avant de continuer et après, hop, je continue le jeu. Parce que c'est chiant ça. Enfin, on représente les dégâts. Élevé, réduit. On va mettre réduit parce que qu'on voit quand même à travers le rouge. Opacité du HUD. Réduite, moyenne, non, réduite. Tant qu'on voit les icônes, moi ça me va. Réticule blanc. Viseur laser, rouge, ça reste comme ça. Avec biocapteur type A. Lunette, non, c'est là. Distorsion de lentille. Comment ça, distorsion de lentille? On va laisser, on verra bien. Profondeur de champ. Donc, activer ou non l'effet de mise au point selon la distance des objets. Je sais pas. Tout ça comment, toi? Tu y laisserais, toi, profondeur de champ? Genre suivant le comment dire la profondeur tout ça. Tu sais, ça laisse un peu flou au début et ça laisse à montrer ce qu'il y a au fond. Moi je mettrais non mais. Espace de couleur. Ben non, on laisse comme ça. Langue, on laisse. Non. On va mettre en moyenne. On passe de là. Ah, on va laisser comme ça. Couleur des sous-titres blanc. Mettre le nom, hein, je trouve que c'est quand même bien. Couleur du nom de locuteur. Ouais, en rouge comme ça. Audio. Tout à fond, on laisse tout à fond. Normal, hein.
radio 3D, votre convi... Attends. Donc audio 3D, ça veut dire que j'entends les bruits tout autour de moi, quoi, en gros. Ce qui était déjà le cas, hein. On va mettre oui, on verra bien. Accessibilité. Alors, la cinétose, ouais. Bon, on verra bien, de toute façon, si ça me fait quelque chose, je changerai. Si ça me fait rien, ça va. C'est pas tout le temps le cas, en fait, mais on verra bien. Donc, ouais, tac, c'est bon. Bon, après tout ce temps sur l'option, l'histoire principale maintenant. Nouvelle partie. Standard. Il est possible de passer au mode facile lors d'un game over, ok. Et supérieur, ça veut dire quoi? Parce qu'il... Dans les trucs là, par exemple, attends. Non, c'était pas ici, c'était où? Boutique. Voilà, en mode hardcore ou supérieur. C'est-à-dire que dès que j'ai fini l'histoire, il y a supérieur, la difficulté supérieure qui apparaît, quoi, en gros. On va rester en facile. Non. En standard. Let's go! Vivement que j'ai une PS5, moi. T'es toujours là, en fait? Ah. Salut, Patrick! Comment va, mon Patricus? Par contre, le visage là, de près, c'était pas bien ça. Ah! Il y a du ketchup! Ah, d'accord, pas tout de suite, Noël alors. Je suis dans les nuages avec Casimir. Ouais, je vois ça. 30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. Je crois que j'ai enlevé les sous-titres, finalement. Les missions éprouvantes ont presque ma peur. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là. La douleur. Ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Et voilà comment on commence. Alors que dans la démo, on voyait le mec, hop, et ça commençait. Qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? C'est bien fait quand même. C'est le trou du coup du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe. T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Bah alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider.
Je crois qu'on est. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Quel frio. Tu as bebido el bar entero? Cigarette? Non, mais c'est le héros. C'est le héros du jeu, c'est pas Léon en fait le héros. Vaya sitio más tétrico. J'avais peur, il aurait pu se mettre à côté de la voiture. Je vois pas l'intérêt de s'éloigner autant de la voiture. Hey, hay alguien ahí? C'est perdu? Genre, il s'est éloigné de combien de kilomètres? Logique quand tu nous tiens. Eh ben dis donc, il a mis du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Genre, c'est ton coéquipier, c'est moi qui dois aller vérifier? Je te jure. Dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Mais moi, je serais retourné, je leur ai mis une tape. Dans la gueule. Allez, let's go. Chapitre 1. Non, alors je peux pas prendre l'arme, bien sûr. Il a perdu sa boîte. Non, c'est pas lui. Chercher le policier. Moi, je sais pas, j'hésite. Ah oui, c'est ça aussi. Option. C'est où pourquoi de. Ah oui, mince, c'est pas ici, c'est où? Moi, je me barre, oui. Qui se débrouille tous les deux? Ah oui, exactement. Merde, mais c'est lui qui a la voiture. Hein. Tu le mets dans la. Tu le mets hors voiture alors. Visée, langue. Non, c'est pas ça, c'est où? On va faire comme ça, je pense, attends. C'est quoi? Attends, je comprends plus rien. Demi-tour rapide. Hein? Attends, j'ai rien compris. Pourquoi? R1, c'est où? Ah non, c'est ici, maintenir. Voilà. Ah non, truc de pour. Oui, d'accord, c'est ça. Pour s'accroupir. Demi-tour rapide. C'est ça? Yes, comme ça au moins ce sera beaucoup plus simple. Mais où est-ce qu'il est passé? Attends, j'ai oublié. Désolé, hein, j'ai oublié de retirer les sous-titres. C'était où déjà? Sous-titres? Non. Voilà, parce que moi ça me gêne pour faire des captures d'écran. Oh que c'est mignon! C'est tout beau ça.
Eh ben, c'est très accueillant ici. Bon, est-ce qu'il y a des choses à prendre ici malgré tout? Non, je peux pas. Là, en fait, je pense qu'il y aura rien. Parce que dans les démos, il y avait rien, mais en pensant qu'il y aura quelque chose dans le jeu final, mais non. Y a rien. Y a quelqu'un? Là, je sais ce qu'il y a là-bas. Attends, il y a le monsieur ici. Ah non, c'est une chambre. Niveau graphisme, il y a une sacrée différence tout de même. Ah bah oui, clairement. Le jugement approche. Bon bah fais tes valises, Patrick. Faut qu'on se casse, le jugement approche. Allez, comme je t'ai dit sur Discord, hein, c'est... On continue Diablo 3 uniquement... il faut que j'appelle à parler, que quand tu te sentiras mieux. Pas envie de continuer comme ça. Ok, clé, non, parce que je le savais. Alors déjà quoi, même pas dire ah, je me casse, non, non, c'est tu te casses et après tu dis que t'es. Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dino aquí. Non. Il a fumé un peu de marijuana, c'est tout. Finito. Il a quoi? Ah, la clé. Bon, avant d'aller voir l'autre en bas. Oh, mais c'est me. Je crois qu'il a eu un cours de cuisine avec les Baker, lui. J'ai l'impression. Ah, c'est génial ça. Attends, ah, j'arrive pas à... Politia. Non, attends. Ah non, c'est confirmé, d'accord, il le prend pas. En souvenir. Très accueillant cet endroit, chouette du ragoût. Yum, yum, yum. Ah, c'est vrai qu'on pouvait regarder là, j'ai pas fait gaffe. Bon, là, de toute façon, je sais très bien ce qui s'y passe. Hein. C'est le début de la démo, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Y a pas un truc d'esquive normalement? Bon, ça, ok, c'est cool. Ah, faudra qu'il me réexplique ça parce qu'il y a des trucs que je comprends pas là. Oh.
La map, c'est tac, c'est bon. Et ici c'est la carte. Valeur 1000 pétasses. Ou comment ça se dit? Le jeu est sur le PS Plus ou tu l'as acheté? Je l'ai acheté mais en physique. Mais il est sur le PS Plus. Pas sur le PS Plus mais il est sur le PS Store. Ah non, PS Plus c'est encore trop. Enfin, j'allais dire c'est encore trop, trop frais pour que ça soit en PS Plus. Mais ils peuvent hein, en même temps. Mais là ils l'ont pas mis. Hein. Il est sorti le jour. Le jour, oui. Le jour où t'avais les nouveaux jeux PS Plus du catalogue. Ah ok. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Forcément. Il va pas bien, le monsieur. Ça veut pas. Attends, j'ai un problème de manette là. Enfin, de. Ça veut pas aller de en vertical comme ça. J'ai rien compris. C'est pas dans l'audio. Caméra peut-être. Mika, tu te fais des idées, le monsieur il va très bien, il fait juste une sieste. Oui. C'est ce qu'on dit, oui. Ah, attends. Ah. Quand on pense avoir tout vu. Regarde. J'avais oublié que j'avais mis ça. Dans les options, il te propose en fait. En tout cas, j'ai économisé. J'avais, je crois qu'il me restait plus que 2 balles là, dans la démo. J'avais oublié, je me suis dit, mais pourquoi je peux pas grimper, faire de haut en bas en fait. C'est parce que en fait, faut que je fasse. Par contre, faut que j'y pense. Hein. Au bout d'un moment, je pense que ça va tellement me gêner que je vais mettre en normal quoi. C'est quoi, je vais les laisser. Hein. On va les laisser tranquilles. Je veux pas dire, mais je crois qu'il y a un problème de mur là, non? Même là, hein, même si c'est un peu mieux, mais c'est pas ça, quoi. Waouh, le graphisme là, quand même, c'est pas ça du tout. Hein.
Ouais, exactement, hein. Tu sais, c'est. Perchoir, ici Condor 1. Ici Hannigan. Tu es nouveau ? Hannigan ! La fille du président, Eglon. Première fois que je vois le personnage, moi, c'est dans le 6. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. On l'entend, je crois, dans l'original, mais on la voit pas. Là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Ça, c'est rajouté pour le remake. Le fait qu'on la voit. Chose est arrivée aux gens d'ici. Je crois, hein. Bien sûr. Faut que j'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. Apparemment, ils aiment pas les nouveaux arrivants hein, dans le village. Là, je peux, mais là, je peux pas. J'essaie de m'y habituer parce que ça a l'air assez sympa comme système. Bon, les étrangers sont vraiment les bienvenus. Ah, mais clairement. Là, normalement, t'as des munitions. S'ils ont pas changé, voilà. J'ai cru entendre une voix. Ok, première salle de sauvegarde. De la poudre pour pouvoir faire des babales. Menu coffre où vous pourrez stocker des armes. Ah, cool! Ça, je sais plus si c'est dans ma mallette. Changer de mallette, ah, d'accord, je peux même changer direct, ouais, comme ça au moins je pourrais mettre la mallette que j'ai déjà, ou alors la vendre, hein. C'est bien aussi. Bon, mais rien, on vient à peine de commencer. On a encore pas mal de place, donc c'est bon, ouais. Voilà, on va sauvegarder. Qu'est-ce que je vais faire moi déjà? Ah oui! Ah putain, oui, avec la manette aussi maintenant. C'est... Attends, j'enlève la poussière. Donc attends. Déplacer, on va mettre ça tout en bas, ça sert à rien. Moi, c'est ce que je faisais en fait. Je sais que dans l'original, je faisais comme ça. Je mettais, et dans tout ce qui est poudre, tout ça, utilisable de suite, je mettais tout en bas, à gauche. Les grenades, tout ça, ça. Ça en laisse. Non, attends. Non, attends. Voilà, tac. Voilà, on laisse comme ça. Je pensais que le loup, de ce que j'ai pu entendre, c'était un loup qui devait pas mourir là, quoi.
Je sais pas. Mais les voix viennent d'où? Pesetas. Ah, c'est des pesetas. Parce que dans le truc, c'était P-T-A-S. Donc, c'est Tilly, hein, ça fait pétasse, hein. Bim, ça c'est cool qu'ils aient gardé ça là. Ah, ça fait mal. Tiens. Et ah bah là, tiens, la blessure s'est soignée, du moins sur son manteau. Le manteau avait reçu la blessure aussi. Ok. Attention. Je viens juste de le voir. Raté. Voilà. Ça économise mon couteau parce que en fait mon couteau il a une barre de vie. Donc on va éviter de trop utiliser non plus. Quand j'aurai pas le choix, j'aurai pas le choix, mais. Voilà, maintenant je peux avoir la grenade. Je sais, t'inquiète, je connais déjà. Non, putain, j'oublie à chaque fois, c'est ça. Comme ça. C'est la lampe. Non, je peux pas. Attends, je regarde par terre si y a pas de piège non plus. Oh, une tête. C'est ce qui vient de tomber. On avait ça dans la démo aussi.
sais, alors comme si de rien n'était, les autres font leur boulot. Toi, tu vas rester, tu vas dormir très profondément. Je crois que normalement, t'as une vieille qui. Une des villageoises qui arrive, qui vient. Voilà. Elle vient pas assez loin pour que je la prenne en furtif. Ah bon, ça c'est endor- ça c'est ça c'est, ah bon, ça c'est dormir. Nouvelle manière de faire dodo. Bah oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on m'a appris moi. Alors, si avec ça ils viennent pas. Ils viennent pas hein, parce que dans la démo c'est comme ça que j'ai fait. Ça je vais pas faire parce que je peux les casser les vitres, mais on va éviter de les attirer comme ça. Ok, bon, elle va tout là-bas elle. Je vais éviter de les attirer parce que j'ai pas envie d'utiliser toutes mes balles. Re Noël. Alors tu t'es réveillé, c'est bon. Tu t'es réveillé, que t'as fait de beaux rêves. Je sais qu'il y en a un sur la droite là. Si je fais ça, est-ce qu'il va venir? Ah d'accord. Attention. C'est quoi ça? Ferraille. Des matériaux pouvant être combinés avec de la poudre noire pour fabriquer divers types de munitions et des mines adhésives. Oh, ça c'est bien ça. On va le mettre là bien sûr. Là normalement, comme j'ai dit, il y a quelqu'un. Non, on va pas. Ah si, toi. Non, dis-moi pas qu'il va venir. Et si, viens. Ah, bordel! Ah, bordel! Voilà. J'ai dû faire un petit peu silencieux et ça a quand même entendu. Oupsi, pardon. Un de neuf. Non mais reste là-bas toi. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. On va prendre l'un. Ah, la vieille. Non, lâche-moi. Putain.
Normalement, si je m'abêtis, c'est dans cette maison là que je dois aller. Voilà. Et en haut, t'as le fusil à pompe. Bien sûr, t'as lui. Monsieur fusil à pompe rejoint la bataille. Oh l'enfoiré! J'ai pas le choix. C'est cool parce qu'il peut aussi attaquer les siens. Attends. Bah c'est quoi que j'ai récupéré? Trésor. Un type d'améthyste que l'on trouve dans la région. Objet destiné à être vendu. Ok, cool. Mon Dieu! Ah, mais fallait me dire, vous étiez occupé, madame! Non! Ah, enfoiré! Non, lâchez-moi. Oh, un 9. Merci. Ah, c'est le bordel ici, hein. Là, on peut pas l'utiliser parce que... Non, sérieux ? Là, il m'a touché. En tout cas, je les remercie d'avoir mis l'échelle. C'est chaud quand ils tendent les bras. Et je dois survivre jusqu'à ce que la cloche sonne en fait. Hein. Elle sonne toute seule. Ah voilà, c'est bon. Oh. C'est bon. Non, attends, on va faire ici. Par contre, là, ouais, il prend pas mal de place. Dès que je peux mettre, je mets. Hein. Toi. On va mettre tout ici. Le couteau, on va mettre en bas aussi. Le soin, on va mettre en bas aussi, tiens. Voilà, munitions, tout ça, c'est en haut.
s'il faut en tuer un certain nombre ou c'est un taille. Si c'est un taille. Quel truc bleu? C'est quoi les trucs bleus? Ah, c'est un défi. Moi, je m'en fous des défis. Hein. Je m'en fous un peu. On verra bien. Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. Et là, normalement, une fois que c'était fait, hop, la démo s'arrêtait. On peut pas prendre possession de la poule pour qu'elle ponde? Comme dans Chia. Perchoir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. Bon, bah, lui... Ces gens sont tarés. La cacarte. Donc ça, c'est tout le chemin qu'on a parcouru. Hein. Là, c'est la maison du chasseur. Tac, 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 tac. Là, on est au village. Et normalement, ça doit être le chemin ici. Ça se fera de l'intérieur, ça. Et sur le côté, en fait, t'as ça. T'as une échelle. T'as ça. Et ça se fait que quand t'as le deuxième personnage. C'est quoi qui a un ticket? Poudre noire. Spray. Munitions. Tiroir verrouillé. Bon, ça, comme j'ai dit, ça sera avec, avec l'autre. Trou dans le mur. Œuf. Putain, œuf. Oh! Merci les peuples! C'est pas le meilleur en cas, mais ça aide beaucoup. Il est resté là, lui! Genre? Il a pas entendu l'annonce? Genre? Il a voulu faire. Ah, attends, il n'y avait pas quelque chose à prendre? Genre, le mec il me fait il veut me faire un screamer quoi. Non mais attends. Ah oui, attends. Non, reviens ici toi. Il y a aussi ça là. Bon là je suis tranquille, maintenant je vais pouvoir faire ma fouillance. Est-ce que ça s'effondre malgré tout? Eh oui, ça s'effondre quand même. Ah oui, attends. Tac. Non. Putain, j'oublie à chaque fois. La nana.
Ah, on va pouvoir y aller à un moment donné ici. Mais quand, j'en sais rien. Normalement, dans le compte, t'avais un autre coffre. Pour le fusil à pompe. Ça, c'est bien. Non? Ah, je pensais que le livre, on pouvait le lire. On a été quasi dans toutes les maisons. Attends, non, non, non. D'abord comme ça. Je regarde si j'ai loupé quelque chose ou non. Oui, ça. Ah, je peux dire dès que j'ai le coffre, hein, je le mets. Hein. Parce que là, je chope pas mal de choses. Hein. Je suis en mode normal, mais bon, quand même. C'est toujours appréciable. C'est quoi ça? Ah, fusil à pompe. Murky. En tuant l'autre, il a laissé quelque chose. Des pesetas. En abrégé, des pétasses. Ah mon dieu. J'avais pas fait gaffe dans la démo qu'il y avait un petit. Ils avaient fait un truc sur le côté là. Par contre, on peut pas. Il peut pas faire des roulades? Ou c'est uniquement pour éviter? Donc attends, je suis allé sur le côté ici, c'est là-bas. Alors la pancarte, quelle pancarte? Et bienvenue à ceux qui sont là, hein. N'hésitez pas à parler dans le chat, hein. C'est fait pour. Moi je vois pas de pancarte, hein. Après je suis pas passé au milieu. Ah, j'ai pas vu là. Tiens, en parlant de PC Tass. 3150. Je suis riche, c'est bon. Je peux m'acheter la PS5. Ah oui, c'est là-bas aussi, j'ai oublié. Intérieur, est-ce que j'ai oublié des choses? Oh, je pouvais enjamber ici, j'ai pas fait gaffe. C'est ici que je devais aller ou pas? Non, ce n'est point ici, donc c'est bien là-bas que je pensais. Carte, je vois pas. Je vais voir à l'entrée, c'est là. Y a pas de pancarte, hein. Bon, allez go, on va avancer, hein. Maintenant que j'ai fouillé l'endroit, il manque juste ici, mais ça, faudra que je revienne. Trou dans le mur. Attends, trou dans le mur. Peut-être le trou dans le mur qui...
C'est dommage qu'on peut pas y aller dans les trucs comme ça. Tu passes à travers le trou, là, Léon. Enfin, bref. Ce qui est fait, est fait. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose, quand même. Allez, go. Non, pas ça, Léon. Calme-toi. Mec à la tronçonneuse qu'on aurait pu tuer, je sais pas, récupérer quelque chose sur lui, mais. Ah, il prend trop de. Un rubis! Donc là, ça c'est pareil, hein, ça ira pas dans le truc, mais ça va dans les trésors. Combinable avec certains trésors. Je peux pas le combiner. Donc ça sera pour un collier ou autre chose. Pardon. Ou autre chose. Oh, il y a encore une poule qui a laissé un œuf. On va pas y retourner, c'est bon. Attends. Qui restait là et qui n'a pas répondu à l'appel. Non. Ça va. Enfin, j'ai cru qu'il y avait un truc qui brillait. Ouais, pareil, hein. Texture sur les portes là, ça va pas trop là. Je sais qu'on est sur PS4, mais quand même, j'aurais pu faire un effort. Voilà. Ok. C'est un endroit safe. Alors, coffre. J'ai plus beaucoup de. On dépose. Fabriquer, jeter. J'ai rien compris. Comment ça, fabriquer, jeter? C'est-à-dire qu'on peut pas jeter les objets de soins, mis à part les sprays? On peut pas les déposer. C'est quoi cette merde? Non. Ah, c'est chiant ça par contre. Si on peut pas en déposer. Jeter. Là pareil ça. Je peux pas, ça non plus. Mettre raccourci. Ça, je peux déposer. Ah, mais ça, c'est chiant, ça, par contre. Tout ce qui est objet de G, tout ça, ou de. Déposer. Et non. C'est vachement nul ça par contre, hein. Ça par contre c'est à chier là, ce système. C'est vraiment à chier.
tourne pas, madame. Je vais t'endormir. Faudrait que je trouve un autre couteau par contre. Non, je peux pas y aller. Juste d'être à la dame là. Attends, avant d'aller là. Je vais voir le monsieur. C'est toujours. Oh, une poule, okay. J'ai l'impression que, comme si elle me voyait, t'es. Oh, œuf de poule. Ouais, mais c'est un œuf blanc là par contre. Attends. Un œuf brun peut être utilisé pour gagner. Un œuf blanc peut être utilisé pour regagner. On va l'utiliser de suite. Voilà. Ok, d'eau. Il fait quoi d'autre? C'est pas ça la truc bleu là? J'ai vu un truc bleu là. Coucou toi. Y'a quoi là-bas? Oh, on fait juste le tour. Ok, hein. Ça sent pas la rose, hein. Lui, il vit sa meilleure vie, là. Ici. Ce sont des paysans, hein, ce sont pas des militaires. Les requêtes, lorsque vous voyez une affiche bleue, récupérez-la pour vous occuper d'une requête. Vous pouvez retrouver les requêtes en cours dans le menu documents. Pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus que ces fanatiques ont accrochés partout? Requête détruire tous les médaillons bleus, zone fermée. Récompense Spinel 3 et progrès. Spinel, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai vu un tout à l'heure. Cassé, malgré tout, sans tirer dessus. Voilà. Un médaillon. J'aimerais aller un peu plus vite, mais j'ai pas envie qu'ils m'entendent, moi. Pardon, hein, c'est pour faire une capture vidéo, comme ça je peux faire mes miniatures. Hein? C'est quoi ça? Tutoriel. Se soigner. Raccourcir. Fabriquer des objets. Et des requêtes. Ok, et j'ai combien? J'en ai gagné 800. D'accord. En faisant des défis.
saisonnière. Donc là je peux rien faire pour l'instant puisqu'elle est fermée cette porte. C'est quoi ça? Ok, donc il me faut une clé spéciale. Donc elle s'est enfermée dedans. Ou alors il me faut que je monte. Est-ce que ça va faire attention? Non? Ok. Bon, en tout cas, ah, il y en a un autre là-bas. C'est cool qu'on puisse voir, qu'il puisse viser leur truc là. Donc ça m'en fait 3. Est-ce que dans le coin il y avait quelque chose avant que j'arrive, pendant que je suis arrivé? Non. Attends. C'est jamais, hein. J'ai. Qu'il y en a un qui est planqué dans la safe room. Bleu, donc ça se voit assez facilement. Je crois qu'il y en a un de la part, non? Désolé, hein, je te pousse, hein, mais. Ouais, c'est allongé. J'aurais cru. J'aurais cru que je pouvais faire... Que je pouvais le faire bouger. Les deux autres sont où? C'est chiant ces petits défis là que... Ah attends. Ah non, j'ai cru qu'il y en avait un là. Je suis sûr qu'il y en a un à l'intérieur. Il va savoir comment y accéder, quoi. Je peux les enlever ou pas? Yes. Ah, une jaune. Une herbe jaune qui augmente la jauge de vie, le gain dépend de ce que à quoi l'herbe est mélangée. Elle ne peut pas être utilisée seule. Là, je vais en mettre là, tac. Voilà, ça augmentera comme ça.
Attends, non, ce passage. Voilà, j'ai des œufs en tout cas pour faire une petite omelette, ça c'est bien. Bon, tant pis, hein, si j'ai loupé les deux autres. Hein. Allez, qu'est-ce que je fais? Va falloir que je répare ça. Ah, donc c'est bon, je devais aller là automatiquement. Est-ce que je suis obligé de casser la... Je suis obligé de casser la vitre. Bon bah tant pis. C'est qui est derrière encore? Oh! Bah non, je peux pas l'enlever ça! Ah bah tiens, t'en as un là. Alors ? Je vois pas le plucher. Ah. Oui, je sais, donc on fera ça plus tard. Ah bordel, mais j'ai pas eu le temps. Attends, fais voir. On va utiliser ça. Non, ça, je me cours à chaque fois, c'est dingue. J'ai pas le temps. J'espère qu'ils vont pas faire mal aux animaux, hein. Oh, je l'ai fait juste au moment où il m'a balancé. J'attends qu'il monte. Wow! Ok,
Normalement, les autres sont morts. Hein. J'ai bien dit normalement. Yes. Merci, les animaux. Je pouvais esquiver, mais j'ai pas fait gaffe que je pouvais. Ah, attends. Voilà. Il vient où? Ah. J'ai pas le choix, hein. Ah bah enfin, bordel. Désolé, hein, j'ai détruit un peu ce que vous aviez, hein. Je vous rembourserai, hein. Promis. Bon, maintenant je peux fouiller tranquille. Naméo. Couteau de cuisine, merci. Voilà. J'ai un nouveau couteau. On va le mettre ici. Non. Voilà. Ça, c'est pour jeter, hein. Espace temporaire. Tu sais quoi? Je vais tester avec un œuf. Abandonner les objets se trouvant en dehors de la manette. Une fois jetés, les objets ne peuvent pas être récupérés. Ah, voilà. C'est parce que je me disais, moi. Quand il est mis là-dedans, c'est pour les jeter, quoi. Là-bas. Voilà. Non, je peux pas. Et ici, il y a ça là. Petit hôtel. On va essayer de le faire si je peux. Est-ce que j'ai récupéré ce qu'il fallait? Non. J'ai pas l'acte qu'il faut. Oui, si t'es posé là, tranquille. Belle heure. Il est bien, tiens, il est bien. Pardon, excusez-moi. Hein. Bédaille bleue. Attends. Okay, donc c'est là-bas. Je savais même pas que ça s'affichait sur la carte. Je pensais qu'il fallait les trouver. Non, c'est là-dedans. Ah, bah oui. C'est sûr que comme ça, j'avais pas trouvé. Hein. Ah, j'ai pas vu ce que j'avais gagné, donc tant pis. Bon, sinon, on va faire comme ça. Non? C'est ici. Ça joue bien à chaque fois. Oh, c'est un petit couteau, j'ai pas fait gaffe. Ok, donc là j'ai plus rien à faire.
Ça c'est cool hein, que la vache et que les je sais pas les truies, les cochons m'ont aidé. Putain c'est vrai que c'était là-haut. C'était ici, mais Bast. Petit hôtel, là. Faudra que j'y retourne. Ok. Let's go. Un genre de pas télé, pas un genre de télésiège ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un cul-de-sac ici. Donc on va pouvoir y aller. Je bouge ça, mais avant, je peux pas y aller là. Nope. Oh bah tiens, on a aidé une petite congénère. Hein. Il y a des endroits où on peut pas aller de suite parce que c'est que plus tard qu'on peut y aller. Pas le récupérer, dommage. Attends, ils sont toujours sur le pont. Y aller. Attends, il y a une dame là qui attend. Maintenant je peux y aller? Parce que là je peux plus y aller. Hein. C'est blockade. Lago.
toujours pas. Est-ce qu'il y a un autre endroit ici? C'est là qu'il était tombé, le gars, je crois. Est-ce que c'est pas ce que je devais faire? Revenir en arrière ici? Je devais aller en avant là-bas? Est-ce qui fait que ça m'a bloqué? J'aurais dû prévoir le coup quand même, non? Toujours pas. Hein. J'essaye quand même, on sait jamais. Mais lui, il a rien laissé. Enfin, il a laissé tomber le truc qu'il avait dans la main. Je me dis que peut-être en tirant sur quelque chose. Le mec est mort ici, il a bien laissé tomber quelque chose, non? Alors, ah oui, attends, t'as ça. Il y a deux trucs. Des pierres précieuses. Là, c'est bon. Un pichet finalement décoré avec deux renfoncements ronds sur les côtés. On peut y insérer, c'est déjà fait. Donc ça vaut 12 000 maintenant. Je sais pas, j'avais pas le prix de départ, mais... Ouais, donc il a rien. Mais c'est fait exprès ou je... Parce que j'ai pas trop de... j'ai pas d'autre endroit. Hein. Noël, si t'es toujours là, dis-moi. Hein. Non, je gueule. Tu m'as dit que tu ne savais pas. Et même si tu savais... Ah mais j'ai pas fait gaffe. T'es juste là. Il y avait un petit chemin. Bordel. Mais ta lumière là! Oh, t'as de la vie, hein, tu peux pas me dire que t'es. J'ai combien maintenant là? 2350. Raté. Ah merde! Enfoiré! Faudra que je le jette ça, attends. Pourquoi examiner? Putain.
Mais non, mais bordel, il faut des pièges de partout, ces enfoirés. C'est quand même Putain, l'enfoiré m'a pris de traite là. Mais bordel, mais allez, avance, avance, avance. Trou quoi. Oh merde. J'arrive pas à... pas les éviter. Vraiment pas les éviter, c'est incroyable. Et... Elle est où l'autre là? J'ai jeté des grenades là, comme une folle. Elle est où? Ah, elle est là! Oh, il y a un truc là-haut. Ça a cassé ça ou pas? Un sur 16. Trophée début de révolte. Ouais. Début de n'importe quoi là, je te dis. Ok. Je peux faire quelque chose ici? Nope. Je préfère vérifier quand même. Il y a quand même une balle dans la tête, hein. Ça suffit largement. Mais bon. Il y a quelque chose qui tape. Et je suis pas sûr que ça soit bon.
J'ai pas la clé. Là, j'ai rien non plus. C'est peut-être ici. Ça fait bip bip. D'accord. Il y a quelqu'un qui est pas content. Pas content du tout, du tout. C'est quoi ce bruit? Ça gêne pas que je fasse mes petites courses en même temps, non? Elle est nulle. Et lui, il est Russie, forcément. Oh oh, attends, il y a quelque chose qui bouge là. Oh! Tu sais que ça fait mal? Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, Seigneur. Et t'as pas une clope? Eh non, je tiens à ma santé. Ah, ok. Tu peux me détacher au moins? Oh, mais! Manquez plus que lui! Vous êtes qui? Oh! Restez où vous êtes! Ok, on est contaminé, c'est fini. Le jeu s'arrête là. Chapitre terminé. Ah, c'était le premier. Ah, ça se termine comme ça? Dans le sens chapitre après chapitre. Chapitre après chapitre. D'accord, menu pause. Résultat de chapitre. Le début de la mission. Dans un objet, c'est fait. Début de révolte. Détruire un châtelain mécanique. J'ai fait ça? Bon, on peut plus. Ceinture noire. Les couteaux sont plus rapides. Ok. Ok, bah c'est fait.
Celui-là. Voulez-vous sauvegarder votre pression? Yes. C'est fait. Et on s'arrêtera juste après la scène. Quand ça veut, bien sûr. Agneau sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. C'est quoi ce bordel? Hey, arrête ça! Hey, Yankee. T'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hé! Hey, arrête, ok? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez morflé comme ça. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein? Je parie. T'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être. Tu cherches une señorita? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient? Où ça? Qui sait? Mais après. J'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. C'est pas une vie. Où est-ce que tu vas? Plus, amigo. Ouais, vas-y, casse-toi. Merde, mon équipement. Ah, man, dieu, je me sens tenu. Ne me regardez pas, je suis tenu. Condor 1 à Perchoir, j'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. On progresse? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet? Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. Ok, chapitre 2. Je vais m'arrêter là, je sais pas d'ailleurs, juste voir si dans la pièce suivante y a pas un truc pour. Je n'avais plus de son. Ah, t'avais plus de son? Est-ce que tu m'entends toujours? Est-ce que tu m'entends là, je veux dire? Maintenant, oui. Oh, ça me fait chier si on m'entendait pas de pendant un certain temps. Je disais des choses tellement profondes. Bon, je vais faire ça jusqu'à la prochaine prochaine sauvegarde. Ouais, écoute, merci. Oui, t'inquiète, je sais hein. Vanny, t'es chiante là. Mmh. Mais ça venait de mon côté. Tu dis toujours des choses primordiales. Bah oui, t'as vu.
Oui, je sais, je connais le jeu. Je connais les moments furtifs, hein, t'inquiète mon gars. Oh, deux couteaux, et ils sont généreux là. Hey, c'est à moi ça. Y'a rien d'autre? Pour parer L1. Ça c'est cool. Ah, ça c'est cool qu'on puisse parer avec le couteau maintenant. Mais ils font des pièges partout. C'est incroyable. Il y a des couteaux de partout là par contre. Faudra que j'en stocke si je peux. Non. Attention. Heureusement que les animaux les alertent pas quand ils se... Mais ça l'use aussi pas mal. C'est pour ça qu'ils me donnent tant de couteaux. J'ai compris maintenant. Même en faisant la garde, ça use. Ça use. Oui, pendant ça use. C'est bon. Ah, j'ai tout récupéré. Je récupère tout ça. Je sais pas si je peux réparer le couteau. Il semble réparable. Ok, d'accord, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé. Non, attends. Non. Voilà. Finalement, on va le laisser là. Ah. Par ici, étranger. Welcome. Bah, il s'appelle Welcome, hein. Il dit tout le temps ça. On va pouvoir faire des affaires, toi et moi. Débarrassez-nous des rats qui ont élu domicile dans l'usine. Nous ne savons pas s'ils sont porteurs de maladies, mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est qui lui? C'est le marchand en fait. Enfin, c'est le marchand, je veux dire, culte de RE4. Parce qu'à chaque fois que tu le voyais tout ça et que tu cliquais, bon, enfin, t'allais sur lui pour acheter ou vendre, il faisait toujours, il ouvrait sa veste comme ça en faisant Welcome. À chaque fois. Requête exterminer tous les rats, zone usine désaffectée, récompense Spinel 3. Mais Spinel, je sais pas ce que c'est. Tu sais, toi, Patrice, ce que c'est Spinel? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça que je voulais.
Comment avancent les requêtes? Savais-tu que tu pouvais échanger les spinels que tu reçois en récompense contre des objets de valeur qui ne peuvent pas être achetés autrement? Parmi tous les objets utiles que nous avons, je te conseille surtout de prendre une carte au trésor. Ces cartes indiquent les emplacements des trésors cachés de la secte. Il nous a fallu un paquet de temps pour réunir toutes ces informations. Avec ces cartes en poche, à toi la liberté financière. Seul bémol, tu devras t'aventurer dans des zones dangereuses pour mettre la main sur ces trésors. Mais rien d'insurmontable pour toi, je me trompe? Astuce du marchand, devenir riche. D'accord. C'est une pierre fine utilisée en joaillerie. Celui de couleur rouge a longtemps été confondu avec le rubis, ce qui lui vaut une grande quantité de synonymes. D'accord. Bah, ça sera ça qu'il va m'utiliser pour... Le fusil. Oh, il faudra un fusil par contre aussi. Ouais, c'est un cul-de-sac ici, donc je peux y aller avant. Alors comme ça, t'as terminé une requête, hein? Bien joué, l'ami. Oui. Merci bien. Tu n'as pas le fusil déjà? Non, j'ai pistolet, le fusil à pompe. C'est tout. Vous pouvez acheter ou vendre des armes et des objets chez le marchand. Vous pouvez également améliorer et réparer vos armes et votre équipement. C'est cool. Requête du marchand. Lorsque vous comptez compléter une requête, elle est parlée au marchand pour obtenir votre récompense. Bon travail. Donc ça, c'est fait. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Trophée. Bien joué, étranger. Ah oui, le fusil à pompe, c'est vrai. C'est le fusil à pompe que t'as au début, en fait, quand t'arrives. Donc t'as le pistolet normal. Et quand t'arrives dans le petit village de départ, t'as un fusil à pompe en haut d'un escalier. Modifier, échanger. Non, pas modifier. Je peux... Ah, réparer, voilà. Oh ah, la réparation, c'est 4000 balles? Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. 4000 balles pour réparer un simple couteau? Enfin, c'est un couteau de militaire, mais quand même. Je peux... Ah non, là, c'est pour modifier. D'accord, ok. Les objets clés utilisés. Les objets clés j'achète utilisés ne vaut plus... sont plus quoi. Utiles pour être... au marchand. C'est-à-dire que le petit symbole dessus, comme ça, ça veut dire que c'est bon. Je peux le vendre. Clé de la cave. Donc, ouais, donc, c'est bon. Pas mal. Là, ça, je peux y vendre. Parce que... Une affaire ça. Bien conclue. Ça aussi. J'ai rien d'autre à vendre. Hein. Les autres trucs, c'est très utile. Les richesses que tu as. Ce qui est cool, c'est que même si c'est dans le coffre, c'est là. Parce que le spray, par exemple, il est dans le coffre. Et c'est cool qu'il peut être utilisé. Enfin, qu'on peut les vendre quand même, même s'ils sont dans le coffre. Est-ce que ce sera tout? Bah, je vais réparer, j'ai 31 000 maintenant. Mais c'est cher quand même. Si je peux me permettre. Puissance 10 000. Résistance. Augmente la résistance. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. Et la résistance. Voilà. Ouais. Comme tu l'as demandé. Mon arme préférée. Non, c'est pas ça que c'est. Modifié. Couteau, puissance, capacité, une rechargement, cadence. Modifié permet de compenser un manque de compétences. Le rechargement, il est un peu lent. Donc, ça t'épate, hein. On va augmenter la puissance aussi. Ne laisse personne à le fusil à pompe. La puissance, je peux pas, c'est 15 000. On va rien augmenter ici. Vendre, échanger. Ah, c'est trop... Mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Herbe jaune. Punisher. Un pistolet qui a un faible recul et un excellent pouvoir perforant. Bah, je vais garder. Diamant jaune. Une pierre ronde. Couleur jaune. On peut le sortir de... Ouais, combinable avec certains trésors. On va attendre. Acheter. Une lunette optique standard disposant de deux niveaux de progression. Ouais, ça, c'est. J'ai pas le fusil pour. Formule carreau. Hein. Lance carreau.
Mallette, 10 000, je vais attendre. Je crois que la première chose que je ferai... Racheter. La première chose que je ferai, c'est acheter une mallette. 10 000. J'ai 9 900, je pense que la prochaine fois que je le vois... Échanger, donc c'est ça. On va attendre. Elle va pas te faire tuer, hein. Elle va pas te faire tuer. Il est trop drôle, le marchand, donc. Alors, coffre. Il est réparé. Je vais garder celui-ci. Je peux pas le réparer, ces petits couteaux-là? Attends, j'ai pas fait gaffe. Bienvenue. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne D'accord, je peux réparer uniquement ce couteau-là. Je peux pas réparer Est-ce les autres. Comme Heureusement. Parce que franchement... Et ça, je peux pas. Ça, c'est... Envoyé au coffre, non? C'est dommage qu'on peut pas mettre dans les coffres, hein, franchement. Les seules choses que je peux mettre dans les coffres, c'est les sprays. Et je pense les armes. Est-ce que les munitions, je peux mettre dans le coffre? Non, je peux même pas. Je peux même pas. Il y est tout le temps là le marchand où il apparaît qu'à certains moments du jeu. Là il sera tout le temps là, il sera ailleurs en fait, à d'autres endroits en fait du jeu. Il est un peu partout en fait. Donc c'est un peu comme le duc dans RE8 Village. Où il était à différents moments du jeu. J'ai joué à Diablo 4 à la manette, je ne reviendrai pas en arrière. Changement historique pour la série? Ah, apparemment. Certains qui ont joué à Diablo 4, peut-être en avance, hors démo. Donc ça, jeter, examiner, fabriquer. Ah, fabriquer des balles, hein, quand même. Voilà. Ah. Voilà. C'est toujours mes œufs. Attends, j'en ai utilisé un d'ailleurs. Tellement dommage. Je trouve quand même que c'est mal foutu, hein. Tout ce qui est gris en fait, du moins on voit pas très bien les couleurs, ça veut dire qu'on peut pas le mettre dans le coffre. Tout ce qui est éclairé, on peut y mettre. Sauf que c'est les objets que je veux pas mettre dans le coffre. C'est les trucs qui sont... Voilà. Moi, ça, je veux mettre dans le coffre. C'est les balles de fusil à lunettes. Là, ça me fait, en fait, des places en plus. Ça me fait des places en trop, je veux dire. Dans... Utiliser en trop. Enfin, bref... Donc voilà, donc on va s'arrêter là. C'était quoi déjà la requête? Vanille, couchez. Là, couchez, là, allez. Couchez, allez, couchez là. Couchez, allez. T'es chiante, hein. Non, c'était pas là, c'était où? Document. C'était où les quêtes déjà?
Ah, les roquettes, j'ai pas vu. Là. Ça s'est fait déréalisation. Ça s'affiche sur la carte? Non. Donc je suis ici, il faudra que je retourne ici, c'est... les rats sont dedans. Oh, ils s'ennuient. Enfin bref. Donc comme je disais, c'était ici que je vais m'arrêter. Merci Patrick. Merci Noël d'avoir été là. Merci à tous les autres qui sont passés. J'espère que ça vous aura plu. Likez la vidéo pour YouTube si ça vous a plu. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera dans un prochain stream qui sera normalement mardi soir. Demain soir, ce sera AC2. Donc Assassin's Creed 2. Merci, hein, merci à vous surtout d'avoir été là. Donc à la prochaine. Bye bye.